Ouais. Écarte-toi un peu peut-être, Michel. Ouais. Passe sur ce trait-là. Ouais, ici, là, c'est parfait. Là. Ici ouais, ici. Là, il aura ta tête. Donc, sur le chewing-gum. Tu prends le trait sur le chewing-gum. Attends un peu. T'en fais une autre un peu plus loin, tu sais. Parfait. Tu peux regarder. Vas-y. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Salut. Merci. J'arrive. Ouais, c'est bon, j'arrive. Pas le feu. Non. Amir. Micha. Ça va, Mire? Oh! La forme?
Ça va, ça va. Mais ça fait peut-être... Ah, ça fait trop longtemps qu'on t'a pas vu. Yes, bah, tu sais que t'es une personne privilégiée, là. T'es la première personne que je vois de France. De France? Non, mais c'est quoi? Bah, tu reviens d'où? Viens, viens. Invite-moi, je vais te raconter ça. Viens. Alors, ça... Alors, qu'est-ce que tu viens? Viens, bon. Bon, faut pas changer, hein. Alors, voilà. Ouais, prends un siège, assieds-toi, voilà. Merci. Moi, je suis malade. Ah, je vois que t'as une jambe qui est en piteux état. Ah, les deux. Les deux. Eh. Voilà. Alors, quoi de neuf? De France, tu reviens? Ouais. Tiens, je vais me mettre près de toi, si tu peux pas me passer, parce que je peux pas bouger, là, franchement. Qu'est-ce qui se passe là avec ta jambe? Oh là là. Voilà, si. Ouais, de vieilles histoires. Ah, l'invalide. Ah ouais, j'ai. C'est la gare du Nord, j'ai dû échapper au flic et j'ai fait une vieille chute. Donc, non, je peux plus. Je peux plus bouger là. Et tu peux plus bouger. Non. Et alors le travail? Bah, le travail, ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. Ouais. 2 ans, bah, tu vois, je veux pas trop. Non, merci. Alors, qu'est-ce qui t'arrive avec ta jambe? Oh, j'ai une vieille embrouille. C'est ça l'histoire, hein. Gare du Nord, on a échappé aux flics. Ah là là. J'ai fait une chute sur les rails. Ah ouais, ça va t'empêcher de travailler, ça? Ah ouais, mais de toute façon, je travaille pas depuis 2 ans déjà, donc. Pas de travail? Non, pas de travail. Non. Ouais, je me suis quand même inscrit à la NPE. Ouais, tu recherches un petit peu? Ouais, je suis à la recherche. Tout à fait. Mm-hmm. Ah, j'ai fait le quartier. Oh, oh, merci. Oh, oh merci. Oh, j'ai besoin. Qu'est-ce qui t'arrive avec ta jambe? Ah, oh, c'est ça l'histoire. C'est l'histoire avec Gare du Nord, il y a quelques jours, là, avec les keufs, fait une chute dans les rails, c'était pas bon. Ah là là, bref. Mais on s'en fout, tiens, on va une bière et tu vas me raconter qu'est-ce que t'as fait. Merci. Tu vois, est-ce que ça fait 2 ans, quand même? Bah, ouais. Tiens. Merci. Voilà, à la tienne. Passe-moi donc. Ouais, bah moi ça fait un bout de temps, effectivement. Ouais. Je suis parti dans les pays de l'Est. J'étais en Roumanie pendant 6 mois. Ah, vas-y, raconte-moi un petit peu, là. Hein. Ah, bah moi ça fait un bout de temps, un long voyage, effectivement. Enfin, j'étais en Roumanie, là. En Roumanie pendant 6 mois, j'étais... En Roumanie? Ouais. C'est loin, ça. Les pays de l'Est, et j'ai squatté dans un squat avec... Un squat? Ouais, avec des vrais quepons, c'était assez étonnant, c'était un vieux bâtiment sous l'époque de Ceausescu, je pense, qui a été squatté après... C'était un squat en Roumanie. Une image inédite. Le couple Miranche. La soirée de Mire. Lève-toi Mirette, lève-toi Mirette. Yeah. Ah, ça... Alors, Monsieur Mir, s'il vous plaît. On va dîner. Génie. Ah oui. C'est génie, bien sûr. Vas-y! Ah oui. Oh, putain. Ouais, c'est bon. C'est bon. 1, 2, 3. Oh! Micha! Ça va, gaffe? Oh non, quelle surprise! Moi qui voulais en faire une. Non! Oh non, Micha! Yeah! Ça va, gaffe? Putain! Attends, je suis trop content! La fin? Et ça fait trop longtemps, qu'est-ce que t'as fait? Ouais. Bah. Ah, viens! On va voir ça. Ouais. Non, mais il faut couper.
excellent, excellent. Putain, ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu. Eh ouais. Puissant. Ça va, gars? Ouais. Ah non, non, je te reconnaissais à peine. Qu'est-ce que t'as donc fait, là, dans tout sang? Ah bah écoute... Sans nouvelle, là. Ouais, bah c'est... Tu sais que t'es la première personne que je vois depuis mon retour en France. Ah, c'est cool, ça. Mais rentre donc. Merci. Mais rentre donc. Voilà. Ah, oh là, je suis dans le bordel. Voilà, c'est bon, il y a de la place. Voilà, t'as vu? Hein, t'as toujours pas les moyens de te payer une femme de chambre? Non, c'est sûr. Hein. Toujours au chaume du? Ah, oui. Vas-y. Alors, toujours au chaume du? Oui, je suis gâteau. Vas-y, tu me dis, c'est bon, je filme. Donc là, je fais... Mais en fait, t'es de dos, toi, je sais pas si tu fais. Ouais, toujours au chaume du, en fait. Vas-y, assieds-toi. Merci. Pose tes fesses. Ouais, bah là, ouais, j'ai cherché pourtant, hein, tu vois, un peu partout, dans toute l'île de France, en fait. Ça fait un peu longtemps, mais bon, comme tu sais, y a rien, là, en ce moment. Hein. On trouve de tout, mais sauf du travail. En 2 ans, t'aurais pu t'attaquer à la France, peut-être à l'Europe aussi. À l'Europe, ouais, ça fait long hein, quand même tout ça. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait depuis... Ça fait 2 ans, non? Ah, ça fait une longue période, ouais, qu'on s'est pas vu. Bah, j'ai eu le temps de m'acclimater au pays de l'Est. J'étais 2 ans en Roumanie. En Roumanie? Ouais, j'étais dans un squat de punk à Bucarest. Dieu Micha. Un squat de punk, bah tu sais, c'est les vieux bâtiments en fait de Ceaușescu et de Selardon. Et ça a toujours pas été détruit, donc j'ai squatté là-bas pépère. Et bon, mais qu'est-ce qui t'a fait partir en fait de ce délire là? Pourquoi? Ouais. C'est le paradis là-bas. Squat de punk et tout. Ouais, c'était sympathique. Cool. C'était sympathique, mais bon, c'était encore une fois une vieille histoire. Histoire d'amour, ça arrive tout le temps. Et bah, je suis tombé tout craque d'une nana qui s'appelait Katharina, et quand elle m'a présenté son père, qui était militaire, terrible, il t'aurait foutu la chair de poule. C'est vrai, putain. Oh là là, oh là, mais je comprends pas qu'est-ce qui t'a fait revenir de là-bas, quoi, hein, parce que... Ah bah tu c'était sais... C'était pas mal, non? Ouais, c'était sympathique. J'ai rencontré une fille qui s'appelait Katharina à Budapest et j'ai passé des très bons moments, mais simplement le jour où elle m'a présenté son père, un ancien militaire, là j'ai eu les pétoches. Le gars a vraiment une tête de zombie, un criminel prêt à te sauter dessus dès que tu faisais une gaffe, et donc tu comprends, sa fille, moi, j'ai pas demandé mon reste, j'ai fait mes bagages et je suis... Parti, bien sûr, on va rouler un bon pétard. Ah, mais d'ailleurs, j'ai ramené un petit souvenir. Oh, excellent. Un petit souvenir de Saint-Pétersbourg. Yes. Baroule ça. Yeah, bien sûr. Est-ce que je peux utiliser tes toilettes éventuellement? Oui, vas-y. Utilise mes toilettes. Merci. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a fait revenir de là-bas, de ce petit paradis? Ah, bah qu'est-ce que tu veux encore? Une fois, une histoire d'amour. Bah, j'ai rencontré une fille superbe à Bucarest, qui s'appelait Katharina, et tout se passait bien. Attends. Mais qu'est-ce qui t'a fait revenir de ce petit paradis, en fait, là-bas? Ah, mais qu'est-ce que tu veux? C'est une longue histoire. J'ai rencontré une fille là-bas... à Bucarest, et bon, on a passé des bons moments ensemble jusqu'au soir où elle me présente son père, un vieux de la vieille qui a fait l'armée et en carrière militaire, quoi. Plus bad. Ouais, et il m'a foutu les pétoches, ce con-là. Il avait une vraie tête de zombie, prêt à te sauter dessus. Alors moi, j'ai pas demandé mon reste, étant avec sa fille, j'ai plié bagages et je me suis cassé à Saint-Pétersbourg. Mm-hmm. Mais attends, au fait. Où ça va, mon petit? Oh, de la bonne vue. Oh, comme ça. Bien sûr, on la relève tout de suite. Ah, c'est de la bœuf que je ramène de Saint-Pétersbourg, juste à côté. C'est vrai? Eh
Elles sont bonnes, moi. C'est ouais, bien. J'ai vu ça. Attends, je vais vous bonne qualité de bouffe. Bah, les gars, en fait, ils la produisent assez, assez communément dans les petites villes, les villages. Ouais. C'est assez toléré. C'est nerveux. Ah, tu vas la faites plaisir, faites plaisir. Merci beaucoup. Ça va te faire tourner la tête, ça. Ah, oui, kid. En fait, est-ce que je pourrais utiliser des toilettes? Mais bien sûr, bien sûr. Elles sont là, elles sont juste là, les toilettes. Ah oui, merci. À bientôt. C'est là? Ouais, c'est là, à gauche, là. Ouais, vas-y. Ouais, c'est pas grave, je continue. Vas-y, hein. Alors, Mire, ce petit joint. Bonne défonce. En train de bailler, ça rend bien. Ok. J'y vais.
De quoi, l'aveu? Je t'ai dit, dans le village. Ah, il faut que tu veux que j'appelle un médecin. Dis-moi où est-ce que t'as eu ça? Je l'ai eu à Rojnov, c'est un village à côté de Saint-Pétersbourg. À côté de Tchernobyl, oui. À côté de Tchernobyl? Est-ce que t'as eu ça? De quoi la peau? Est-ce que tu l'as eu? Est-ce que tu l'as eu? Dis-moi où? Quel village? En Rojnov. Où ça en Russie? À Rojnov, ça s'appelle. La Tchernobyl. Sans un mec, un pote à moi qui s'appelle Micha et tout, je suis pas enfin, c'est quoi, je suis pas bon. Et puis non, il a rien de un truc. Je vais attendre. Viens, on va voir. On va voir comme ça.